Racine. Quoi? T'as mal dormi ou quoi? J'ai même pas dormi, frère, t'as mal dormi. J'ai pas dormi du tout. Oh, moi, alhamdoulilah, voilà, j'ai pas dormi, voilà. Wesh. Il s'est passé quoi? Pourquoi je t'ai viré de chez toi? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Comme ça, comme ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Vraiment, vraiment, t'as fait non, quoi? Parce que je voulais venir là, tu vois, je suis là comme ça. Wesh, il s'est passé quoi? Pourquoi je t'ai viré de chez toi? Non, pour rien, voilà. On peut pas rester comme ça, faut que tu règles ton problème. Hein. Non mais je suis venu en vacances de toute façon après, je suis parti. Ouais en vacances, mais t'as fait quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es fait virer? Dis-le moi. Bah rien, je t'ai pas un autre. Mais dis-moi, bah, si tu te fais pas virer pour rien, c'est pas possible. Il y a bien une raison. En vrai de vrai? Ouais, c'est quoi la raison? Si, il y a une raison. C'est quoi? En vrai de vrai de vrai, la raison c'est en fait, prends-le pas mal tout ça, hein. Mais j'ai le Covid. Genre en fait je t'explique, j'ai le Covid et sauf que vas-y mes parents ils voulaient pas que je reste parce que vas-y c'est pas bien à la maison tout ça, ils sont malades. Et tu viens ici? Ah mais vous c'est pas grave, vous êtes faites du sport tout ça, même si vous l'attrapez c'est rien. T'as le Covid et tu viens ici? C'est rien. Enfin chicken. Younes, Younes! Putain de merde. Younes! Tu sais pourquoi il s'est fait virer? Tu sais pourquoi on parle de la vie? Il m'a dit, il a le Covid. Quoi? Il est venu ici, il a dit parce que nous on est des sportifs. Il a ramené Covid ici, wesh! Oui, ça, je vais te laisser rentrer, acheter un petit truc à manger. Il a le Covid-19. Il a le Covid, qu'on fait comment? Il a la variante indienne ou un douche pas. Je sais pas, il a quoi, mec? Il est fatigué. Il a le Covid, que il dort toute la journée, frère! Oh, le bourbier! Chicken! Et papa et maman, ils savent? Non, ils savent pas! Ils sont même pas encore rentrés! T'as pas le jus? Jus? Là ici là si tu veux. Non mais j'aime pas, c'est le faux. Non si tu veux, il y a du jus là. En vrai. Mais t'as le Covid et tu prends comme ça? A few moments later. Là, je suis grave en manque d'argent en ce moment. C'est à qui ça, Younes? Non, là je regarde. C'est une vraie, non? Pour ça. Tu vas pas bouger d'ici, donc. Pas à toi. À mon cousin, c'est comme si c'était pas à moi, frère. T'es sérieux là? Possédé dans la famille, j'ai pas d'argent. Et il le sait que t'as pris son argent? Il va savoir quand il va voir. Viens, quand je te parle, viens, tu veux quoi? Il sait, il a fait une dinguerie là. Quoi? Il est arrivé, il est parti dans ta sacoche, il t'a volé 40 euros. Quel 40 euros? Il a dit ça, il a dit ce qu'il y a à lui et à moi. Il t'a pris 40 euros. T'es ça là? Bah ouais, je suis ça. Où je commence à. Regarde, il t'a plus 40, il t'a laissé ça. Devant toi? Ouais, il m'a dit ça, c'est à toi, il a dit c'est à toi et c'est à lui. T'as rien fait toi? Mais il a dit c'était à toi, c'était à lui. T'as 4 ans, 5 ans, 6 ans. Comme ça j'ai rien fait. Et il est parti où là? Je sais pas, il est parti, il a dit va le faire. Mon argent, il est où mon argent? Moi je veux dire que c'est de ta faute, je vais le virer, Younes. Fais ce que tu veux, je vais vraiment te dire c'est ta faute. C'est bon, je vais le virer de la maison, je vais le virer. Ah, c'est là. Mais là, c'est la mienne, je t'ai dit. Bien. Ça, c'est bien fluo. J'aime bien quand je fais mes dégradés et tout. C'est bien. C'est top.
sera énervé. Hey Yacine! Yacine! Quoi? T'as pas un pull rouge en M qui va avec cette veste? Quoi c'est un pull rouge en M? Genre quoi fait pour mettre en dessous. T'as pas d'affaires? Non, même pas trop, hein. Pourquoi? Tu peux te prêter un pull si tu veux, tiens, y'a ça. Non, rouge, rouge en M. C'est rouge, c'est rouge. Non, mais ça, j'aime pas la matière. Armani. T'es à la gauche. Non, mais tranquille, t'as vu. Tu me le prêtes, t'as vu, je te le rends pas, mais ça, c'est rien, ça. Bon là les gars, il n'y a pas de Younes, t'es pas gentil, t'es un crevard, c'est pas la famille. Wesh, il vient, il prend mon argent comme ça, il fait des dingueries comme ça. Je vais aller, Yacine, je vais lui dire qu'il lui dit, il se casse, ça y est frère, c'est trop. Mais moi quand j'étais chez Sofiane, tout ça, j'ai pas abusé autant. Soit ça, soit je le marre, vous choisissez quoi. Aïssa, faut que je te parle. Oui, t'es la famille, tout ça, mais frérot, faut que tu rentres chez toi, là. Covid, recule. Faut que tu rentres chez toi, frérot. Tu peux pas? Pourquoi tu peux pas rentrer chez toi? Parce que je t'ai dit, je peux pas, j'ai le Covid. Non, mais vraiment, faut que tu rentres chez toi, là. Et mes parents, ils sont en train de péter un câble et tout. Ils ont dit, on fait trop le bordel dans la maison, là. Vas-y, casse-toi, là, frère! C'est bon, casse-toi! T'es là, tu voles de l'argent, tu fais n'importe quoi, tu prends, tu te sers dans la ramoire et tout. T'as cru que t'étais où, ici? Nous on est là, on t'a vu, on est gentil. Vas-y, casse-toi, c'est bon. Taille. Je t'ai déposé chez toi, frère. Et vas-y, pour vous, je sais que je vais pas vous laisser en chien comme ça. Si vous voulez voir la suite là, je vais le déposer chez lui. Allez sur sa chaîne, fais une vidéo sur les Zincs, explique pourquoi t'as fait ça. T'as fait des dingueries. Et allez sur la chaîne des Zincs, hier à l'épisode 3 normalement de la suite de ça là. Je compte sur vous pour venir. Explique-leur parce qu'il faut pas les laisser comme ça. Pour venir. Vas-y. Vas-y.